بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد وصلي وسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يكون صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي تلاميذي تلميذاتي يا لا كي لو كوني با لا غاب دو تو مي كي ا كومبري صديقاتي كومون سفيتيل سي هرم سي بدعة دي صديقاتي بور لي فام Tu appelles les femmes tes amis, c'est haram, c'est bid'a, c'est innovation, on va te faire, allez, on va te tuer, tout ça. Allez, pondez-en religieuse pour toi, c'est fini. N'est-ce pas les amis, quelques-uns là, ils attendent le moindre mouvement. A'izzai, azizati, asdiqai, sadiqati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Mes frères, mes sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, vous m'avez manqué. Vous me manquez tout le temps, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mes frères et sœurs en humanité, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon, ce que vous voulez, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un excellent sujet qui me tient à cœur et qui me fait beaucoup de bien, où je m'adresse à mes frères et sœurs non musulmans, quel que soit leur âge, quel que soit leur cheminement, quelle que soit leur connaissance de l'islam, c'est pour. Donc, j'intitule, je lis un article, ni plus ni moins, et j'intitule la vidéo « Mon fils s'est converti à l'islam ». Donc, je vous lis l'histoire. C'est l'histoire d'une maman, pas de celle qui aurait découvert l'homosexualité de son enfant, parce que cela aurait été bien moins grave, plaisante-t-elle. Non, celle d'une maman qui a surpris son fils un jour, un bon matin, à pratiquer l'islam, enfermé dans sa chambre avec son tapis et son Coran. Simon, 19 ans, priait discrètement. Ce fut un tsunami dans ma vie. Décrit Clara Sabine, alors terrorisé par cette nouvelle, je m'étais même préparé à l'éventualité d'avoir un enfant handicapé, mais pas à cela. Sallu ala Muhammad. Les musulmans, sallu ala Muhammad, vous, les non-musulmans préparés à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'islam, na'am, comme il a frappé à la porte de cette cadre supérieure, il frappera à vos portes. C'est bon ? C'est bon ? Le bal est lancé ? Vous êtes préparé ? Non ! Le monde deviendra musulman, vous le sentez. Il y a quelques-uns qui essayent de repousser ça. Mais non, il viendra. Voilà, croyez-moi, vraiment, c'est sûr et certain. Il viendra chez votre fils, votre fille, votre père, votre mère, votre cousine. Il viendra. D'accord ? Donc elle disait, il s'est préparé même qu'il soit handicapé. Mais il n'avait pas du tout imaginé ça. Raconte celle qui implora aussitôt son fils de ne pas porter de barbe. Parce que même pour les non-musulmans d'aujourd'hui, la barbe est un signe de religiosité avancée. Extraordinaire ça. Même les non-musulmans pensent que la barbe est un signe de religiosité. Très bien. Donc elle lui a dit de ne pas porter la barbe. Sachant que les non-musulmans savent, normalement vous devez savoir que les grands du monde, qu'ils soient savants, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient, hein, d'il y a quelques années, portaient tous la barbe. Donc, c'est que dans le quartier chic, où la famille vit, sur les hauteurs de Liège, Clara Sabine, cadre supérieur, what's this? Ma femme bien-aimée, tu m'as dit quoi? Rien.
La Clara Zavin, cadre supérieur dans une multinationale, sait que cette conversion risque d'en choquer plus d'un. Face à un fils qui semble déterminé à vivre pleinement sa religion, la maman, qui jusque-là n'avait connu qu'un ou deux musulmans dans sa vie, se retrouve face à un choix difficile. J'aurais pu, comme beaucoup d'autres parents, rejeter mon fils, mais il n'en était pas question, mon amour pour lui est trop grand. Alors, j'ai décidé de me documenter sur cette religion qui me faisait si peur, sur laquelle j'avais tant de préjugés. Mon entourage me disait que mon fils allait probablement mal tourner. J'ai fait face à tant de remarques blessantes en ce sens. Petit à petit, celle qui n'aurait imaginé partager un couscous autour d'une table réservée à des femmes voilées s'ouvre à ceux qui sont désormais les meilleurs amis de son fils. Sinon, je me suis même levé toutes les nuits pour son premier Ramadan. Extraordinaire. Sabine, si tu me regardes, chapeau. Wallahi, chapeau. Beaucoup de musulmans n'ont pas l'ouverture d'esprit que tu as. Beaucoup de musulmans n'ont pas ta souplesse. Pourquoi tu dis beaucoup de musulmans, Mustapha? Parce que normalement, ils doivent être l'exemple, Sabine. Ils doivent être l'exemple. Mais ils sont malheureusement dans une grande partie de manque de souplesse et de tolérance. Excellent pour ta souplesse intellectuelle. Donc, elle dit, je me suis même levé toutes les nuits pour son premier Ramadan, précise la maman, qui a choisi d'écrire un livre sur son parcours contre la peur et qui l'a hanté face à la conversion de son fils. Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. Alors, j'ai perdu mon archaïque. Salam ala Muhammad. Profitez pour faire salat wa salam ala Muhammad. Eh oui. Ah, je lis. De temps en temps, on marque des pauses réclames, des pauses publicitaires. Ça dure 30 secondes. On fait passer quelques messages subliminaux et on avance. Et tout le monde est content. Sallu ala Muhammad. Donc le titre, c'est « Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur ». C'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions La Boîte à Pandore. Pas un djihadiste, trois points d'extension. Je veux montrer, à travers ce livre, que l'islam, ce n'est pas ces jeunes qui partent combattre en Syrie, au nom de groupes composés de fous, qui n'ont rien compris à la religion. En lisant mon livre, une de mes amies a osé parler pour la première fois de sa vie à une femme voilée en rue, dans la rue. De quoi convaincre cette maman d'avoir atteint son objectif. Extraordinaire. Wallah, extraordinaire. C'est un signe d'ouverture d'esprit de Sabine extraordinaire et je suis certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala va finir par ouvrir son cœur à elle, à l'islam. Cette cadre supérieure, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira son cœur à l'islam. Vous savez, plus la personne a un cœur ouvert, plus la personne a un comportement excellent, plus une personne est souple, plus une personne est gentille, plus une personne est agréable, plus une personne est sage, plus Allah subhanahu wa ta'ala ouvre son cœur à l'islam et plus elle s'élève encore et encore et encore avec cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Normalement, ce petit message résume à lui seul tout ce que j'ai voulu vous dire. Les amis non musulmans, préparez-vous. Cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'exploser dans le monde. Elle a toujours explosé dans le monde. L'autre jour, j'ai lu une parole d'un chercheur américain qui dit « Extraordinaire, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup plaisir et ça ne m'a pas étonné. » Ce chercheur américain dit que la moitié des musulmans d'aujourd'hui sont les descendants de gens qui se sont reconvertis après l'année 1500. Ça veut dire il y a plus ou moins 500 ans. La moitié des musulmans qui vivent sur Terre aujourd'hui sont les descendants
de gens qui sont convertis après 1500, le début de la décadence des musulmans. C'est-à-dire, malgré la décadence des musulmans, malgré qu'ils ne sont plus rien depuis 500 ans à peu près, qu'ils ont atteint le fond, ils ont creusé pour descendre encore plus bas, malgré ça, cette religion attire, subhanallah, et cette religion finit par réaliser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah a voulu, Allah a décidé, Allah a statué, Allah a décrété que sa religion, نُورُ, la lumière, il a appelé l'islam la lumière, وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ, que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala régnera dans le monde, même si les kuffars ne le voudront pas, même si les kuffars combattront l'islam, même si ceux qui n'ont pas compris et qui ne veulent pas comprendre, qui ont un cœur noir, malgré ça, l'islam continue, alhamdulillah, avancer. Donc soyez, si un jour l'islam toque à votre porte, soyez ouvert comme Sabine. Sinon vous allez vous compliquer la vie et vous allez compliquer la vie de vos enfants, de vos frères qui se plaignent beaucoup, qui nous disent que même si vous les voyez ouverts, même si nos amis non musulmans montrent qu'ils sont ouverts, qu'ils sont tolérants, à l'intérieur des familles, ils montrent qu'ils sont très islamophobes, très racistes, très dur, très bizarre, et surtout avec les reconvertis. Donc soyez ouvert comme cette maman, ça réglera le problème pour vous, et ça réglera le problème pour le reconverti ou la reconvertie. Et nos amis musulmans, voilà des gens, subhanallah, qui nous montrent une très belle ouverture d'esprit que nous n'avons même pas entre nous, dans les mosquées. Nous n'avons même pas un atome de cette ouverture d'esprit, cette dame, qu'Allah la guide, qu'Allah ouvre son cœur à l'islam, qu'Allah guide son fils, qu'Allah ouvre son cœur à l'islam. Un tout petit détail qui a attiré mon attention à la fin, que je dis à Sabine, tous ceux qui font le pseudo-jihad ou le jihad dans quelques endroits de par le monde ne sont pas des fous furieux. On doit avoir l'honnêteté de le dire. Il y a une majorité qui ont perdu la tête, naam, mais il y a une minorité, il ne faut jamais généraliser Sabine, il y a une minorité qui essayent de défendre leur terre, l'endroit dans lequel ils ont grandi. N'oublie pas, Sabine, toi qui cadre supérieur, qu'à force de presser, à force de mettre la pression, à force d'être injuste, les États-Unis, malheureusement, ont provoqué l'explosion dans pas mal d'endroits du monde. D'accord ? Je suis contre, personnellement, ces jeunes. Je suis contre cette mode qui s'est installée de ces jeunes complètement délabrés qui partent continuer à détruire la Syrie. Je suis contre. D'accord, mais il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des gens, alhamdoulilah, sur ces gens-là, une minorité qui ne sont pas fous. Ça marche, Sabine, qu'Allah te guide, qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez, s'il vous plaît.